Ou tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, dit le Seigneur. Même si vous n'avez pas d'argent, venez et buvez avec joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de cet Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordon à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront, les feuillages ne se flétrira pas, et les fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Comme refrain du psaume, « Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. » Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer.
Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsaida. Elle a 5 colonnades, sur lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son brancard et marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, et ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il répliqua, « C'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Et l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule en cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, saint Jean nous parle de la scène de la piscine de Bethsaida. Elle ressemblait plutôt à un hôpital pour traumatiser. Une foule de malades était couchée aveugle, boiteux et paralysée, et Jésus s'y rendit. Les pharisiens, par contre, ne songeaient qu'au sabbat. Leur mauvaise foi tuait l'esprit, mes frères et sœurs. La colère du péché dégoulinait de leurs yeux. Il est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Le vieux paralysé dans l'Évangile était malade depuis 38 ans. « Est-ce que tu veux retrouver la santé ?» lui dit Jésus. Depuis longtemps qu'il luttait dans le vide, faute d'avoir rencontré Jésus. Mais maintenant, il avait trouvé l'homme. Les 5 colonnades de la piscine de Bethsaida retentirent lorsqu'on entendit la voix du Maître. « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Ce fut l'affaire d'un instant, mes frères et sœurs. La voix du Christ est la voix de Dieu. Tout était neuf dans ce vieux paralysé, usé par le découragement. Dans la piscine de Bethsaida,
les maladies du corps étaient guéries. Mais pour nous, avec le baptême, ce sont les maladies de l'âme qu'on a guéries. Là, c'était de temps en temps et pour un seul malade à la fois. Mais dans le baptême, c'est pour toujours et pour tous. Dans les deux cas, le pouvoir de Dieu est manifesté par l'eau, mes frères et sœurs. Le péché paralyse, vieillit et tue. Il nous faut regarder Jésus. Il est nécessaire que sa grâce nous plonge dans les eaux de la prière, de la confession, de l'ouverture de l'esprit. Mes frères et sœurs, nous pouvons être des sempiternels paralytiques ou des porteurs et des instruments de lumière. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, mon offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, des biens que toi-même nous as donnés. Qu'il te dise notre reconnaissance devant tout ce que ta création nous propose pour assurer notre vie sur la terre. Qu'il devienne aussi le remède et nous guérira et nous fera vivre éternellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père Tout-Puissant, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ton présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Alain de Rayer et tous ceux qui ont le charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Seigneur, nous offrons cette messe pour Pravina, pour le repos de son âme, et aujourd'hui nous prions pour les intentions de la famille M. Boulan-Gérard-Louis. Sur nos enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière « Nous avons reçu du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette nuit où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Antienne de la communion, mon berger, c'est le Seigneur. Je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me laisse reposer. Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. Prions le Seigneur. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères le renouvellent. Fais que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Une prière pour le coronavirus. Jésus-Christ,
Tu es passé par les villes et les villages, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. À ton ordre, les malades ont été guéris. Viens à notre aide maintenant, au milieu de la propagation mondiale du coronavirus, pour que nous puissions ressentir ton amour curatif. Guéris ceux et celles qui sont malades avec le virus, qu'ils retrouvent leur force et leur santé grâce à des soins médicaux de premier ordre. Guéris-nous de la peur qui empêche les nations de travailler ensemble et les voisins de s'aider mutuellement. Guéris-nous de notre orgueil qui nous cause de prétendre d'être invulnérables devant une maladie qui ne connaît pas de frontières. Jésus-Christ, guérisseur de tous, reste à nos côtés en cette période d'incertitude et peine. Sois avec tous ceux et celles qui ont succombé au virus, qu'ils reposent avec toi dans la paix éternelle. Sois avec les familles de ceux et celles qui sont malades ou décédés, alors qu'elles s'inquiètent et pleurent. Garde-les de la maladie et du désespoir, qu'elles ressentent ta paix. Sois avec les médecins, les personnels infirmiers, les chercheurs et tous les professionnels de la santé qui cherchent à soigner et à guérir les malades, alors qu'ils risquent l'infection par leurs travaux. Qu'ils ressentent ta paix. Sois avec les dirigeants de toutes les nations. Donne-leur la prévoyance d'agir avec charité et un véritable intérêt pour le bien-être des peuples qu'ils sont destinés à servir. Donne-leur la sagesse d'investir les ressources dans des solutions durables qui aideront à prévenir ou à empêcher les épidémies futures. Qu'ils ressentent ta paix alors qu'ils travaillent ensemble afin d'établir la paix sur terre. Que nous soyons ici ou à l'étranger, entourés par beaucoup ou peu de gens souffrant de cette maladie. Jésus-Christ, reste avec nous alors que nous te prions et t'implorons de nous donner la force de garder foi et espérance. En ces temps d'anxiété, donne-nous la paix. Jésus-Christ, guéris-nous. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Une prière pour le coronavirus. Jésus-Christ, tu es passé par les villes et les villages, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. En ton ordre, les malades ont été guéris. Viens à notre aide maintenant, au milieu de la propagation mondiale du coronavirus, pour que nous puissions ressentir ton amour curatif. Guéris ceux et celles qui sont malades avec le virus, qu'ils retrouvent leur force et leur santé grâce à des soins médicaux de premier ordre. Guéris-nous de la peur qui empêche les nations de travailler ensemble et les voisins de s'aider mutuellement. Guéris-nous de notre orgueil qui nous cause de prétendre d'être invulnérables devant une maladie qui ne connaît pas de frontières. Jésus-Christ, guérisseur de tous, reste à nos côtés en cette période d'incertitude et peine. Sois avec tous ceux et celles qui ont succombé au virus, qu'ils reposent avec toi dans la paix éternelle. Sois avec les familles de ceux et celles qui sont malades ou décédés, alors qu'elles s'inquiètent et pleurent. Garde-les de la maladie et du désespoir, qu'elles ressentent ta paix. Sois avec les médecins, les personnels infirmiers, les chercheurs et tous les professionnels de la santé qui cherchent à soigner et à guérir les malades alors qu'ils risquent l'infection par leurs travaux, qu'ils ressentent ta paix. Sois avec les dirigeants de toutes les nations. Donne-leur la prévoyance d'agir avec charité et un véritable intérêt pour le bien-être des peuples qui sont destinés à servir. Donne-leur la sagesse d'investir les ressources dans des solutions durables qui aideront à prévenir ou à empêcher les épidémies futures. Qu'ils ressentent ta paix alors qu'ils travaillent ensemble afin d'établir la paix sur terre. Que nous soyons ici ou à l'étranger, entourés par beaucoup ou peu de gens souffrant de cette maladie. Jésus-Christ, reste avec nous alors que nous te prions et t'implorons de nous donner la force de garder foi et espérance. En ces temps d'anxiété, donne-nous la paix. Jésus-Christ, guéris-nous. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.